Le voici, le premier coup de coin. Et la tête est belle, mais elle passe juste à côté. Première frayeur, le banc de Westerlo s'est levé. Eh bien, c'est le petit Alessio Alessandro qui est venu mettre la tête là. Petite première frayeur donc pour Laurent Anquinet. Chimanga. Ça ne passera pas. Ballon contré là-bas et la profondeur tout de suite qui est cherchée. Petrov qui va beaucoup plus vite que Skurmans. Un peu décalé, c'est vrai, mais évidemment, il n'avait pas 36 solutions. Hein. Il devait vite se décider. Il a tenté cette frappe au but. Ça aurait été compliqué d'aller marquer dans cette position-là puisque Skurmans était bien revenu. Anquinet avait bien réduit l'angle, là, vous le voyez. Valeno pour ce coup franc. Du plus, il n'y avait pas une main là. Ah non, elle est belle, elle était magnifique cette tentative d'Alessandro. Elle passe à quelques centimètres de la transversale de Laurent Anquinet. Bizet. Ouais, belle déviation d'Abraham, c'est une bonne remise aussi de Vaneno. Un peu long peut-être. Les longues packs de Skurmans n'ont pas suffi. Ça passe pour Abrams, il faut centrer à bon escient. Ouais, il a tenté la petite Maggère là. C'était bien tenté de la part du joueur serbe. Petrov. Il faut le contre-favorable évidemment, le petit brin de réussite. Sinon, eh ben, c'était bien fait hein, au premier poteau. Là. La tentative de Maggère. De plus. Qui trouve Gandry. Et ce ballon est bon par contre pour Petrov s'il arrive à l'emmener. Il va aller jusqu'au bout Petrov. Une fois, deux fois et non. Ça ne passe pas. Quelle bonne intervention Laurent Anquinet. La voici la plus belle possibilité de cette rencontre. Il a fallu attendre 71 minutes. Et un peu plus même. On retrouve Julien Gorius. Est-ce qu'il va frapper directement? Oui, c'est ce qu'il a tenté. C'est ce qu'il a tenté. Ça passe juste au-dessus. Ça retombe hein, vraiment sur la partie supérieure de la transversale. Ballon bien travaillé de la part de l'ancien joueur de Genk, notamment.